Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Cette semaine, Learning World s'intéresse aux façons d'en finir avec l'école buissonnière. Les méthodes, de la carotte au bâton, visent aussi les causes sous-jacentes de l'absentéisme, telles que la pauvreté. En Amérique latine, le gouvernement argentin a mis en place un programme d'aide à la scolarité pour les familles pauvres. Reportage à Buenos Aires. 30% d'Argentins vivent sous le seuil de pauvreté, évalué à 2200 pesos par mois, soit 377 euros. Dans les favelas de Buenos Aires, beaucoup d'enfants sont obligés de travailler. Pour les ramener à l'école, depuis 2009, l'État accorde aux plus démunis une prime à la scolarisation. Pour que son père ou sa mère touche la prime, chaque enfant doit avoir des papiers d'identité. Deuxièmement, la santé. Ils doivent être à jour avec tous les vaccins. Ils doivent se rendre à la visite médicale. Troisièmement, ils doivent aller à l'école. Plus de 3 600 000 enfants bénéficient de cette prime de 37 euros par mois. Mais surtout, la population scolarisée a augmenté d'un tiers en 2 ans. C'est une aide pour chaque mère. Ainsi, je tiens jusqu'à la fin du mois et je leur sers d'exemple. Sinon, je ne sais pas ce qu'ils feraient. Ils se promèneraient comme leur père avec une charrette à ramasser des bouteilles dans la rue. Et ce n'est pas ce que je veux pour eux. Je crois qu'il est très difficile pour eux de quitter la rue, parce qu'avant tout, dans la rue, ils succombent aux vices très rapidement. La rue est agressive, il vous faut survivre. Je crois que ces enfants n'ont pas appris à vivre, mais à survivre. Grâce à ce coup de pouce, ces enfants issus le plus souvent de familles nombreuses retrouvent des normes, des horaires, mais aussi une alimentation saine et régulière fournie par l'école. J'ai 11 frères. Ma mère touche une prime par enfant. Ils vont tous à l'école, à l'exception des jumeaux de 6 mois. Tous mes frères vont à l'école. Que veux-tu faire plus tard ? Je ne sais pas. Pompier, policier, avocat. L'outil financier est utilisé d'une différente manière en France, où certains enfants sèchent apparemment les cours par lassitude ou manque d'intérêt. Le gouvernement espère qu'en supprimant les allocations sociales aux familles dont les enfants font l'école buissonnière, il incitera les parents à les ramener dans le droit chemin. Voyons cela de plus près. Jacqueline vit à Lyon, dans le sud de la France. Elle a 3 enfants, dont un fils de 13 ans qui manque souvent l'école. Asthmatique, il est sous cortisone et a pris du poids. En dépit des certificats médicaux, l'État ne la croit plus et menace de couper ses allocations familiales. Malheureusement, il est humilié. Donc humilié par des professeurs, humilié surtout par des enfants qui lui disent « Mais Michelin, mais tu étais trop gros, mais tu pues. » Voilà, vous comprenez pourquoi mon fils ne veut plus retourner dans ce collège où il ne se sent pas soutenu, au contraire. Une loi entrée en vigueur cette année supprime les allocations familiales versées pour un enfant si celui-ci manque l'école plus de 4 demi-journées par mois. 51 familles ont déjà été sanctionnées, 30 000 autres ont reçu un avertissement. En France, 7% des élèves sèchent régulièrement les cours et un établissement sur 10 enregistre un taux d'absentéisme de 30%. Bah oui, ça m'arrive de sécher les cours parce qu'on a beaucoup de cours qui servent à rien en fait. Donc étant donné qu'on a un emploi du temps très chargé, que des fois on rentre à 8h le matin et qu'on s'en va à 18h, ça nous arrive de partir au milieu des cours parce qu'on en a marre. Généralement par classe, il y en a au moins un ou une qu'on voit presque pas dans l'année. On la voit de temps en temps, elle vient, elle repart, mais c'est tout une vision des choses en fait. Mais est-il juste de punir les parents pour la faute de leurs enfants? L'avis de l'inspecteur de l'Académie de Paris. L'absentéisme, c'est un message qu'on voit à l'enfant. Quand un adolescent ne vient plus à l'école, ça veut dire quelque chose. Alors ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'il est malheureux dans sa vie, ça veut dire qu'il est malheureux à l'école, ça veut dire que l'école n'est pas adaptée à lui, ça veut dire qu'il n'y réussit pas. Enfin voilà, il y a plein de messages différents et c'est toujours très compliqué à décrypter. Pour cette avocate parisienne, la mesure est injuste parce qu'elle vise uniquement ceux qui touchent des allocations. Je pense qu'il faut avant tout, quand il y a des
des enfants en difficulté, qui à terme seront des enfants absents à l'école, veiller à les suivre tout au long de leur scolarité, à les aider. Alors après, on va vous dire, on ne peut pas aider tout le monde, mais dans ces cas-là, on propose d'autres choses et on les aide. Et on ne sanctionne pas financièrement au motif qu'ils n'y arrivent pas, au motif qu'ils ont du mal, au motif qu'ils sont adolescents, au motif qu'il y a un souci. Ça n'est pas une bonne approche. Le ministre français de l'Éducation, Luc Chatel, a refusé de participer à ce programme. On apprend mieux avec le ventre plein. C'est le raisonnement en Éthiopie où la sécurité alimentaire reste un problème majeur. Le programme alimentaire mondial offre ainsi aux enfants un repas par jour à l'école pour les encourager à venir en classe. Reportage. En Éthiopie, des centaines de milliers d'enfants ne vont pas à l'école du fait du mode de vie traditionnel. Pour la population rurale, la seule façon de gagner sa vie est de devenir berger. Mais une expérience fait ses preuves dans plusieurs régions de la Corne de l'Afrique. La promesse d'un repas gratuit par jour à l'école a attiré les foules, des filles surtout. Pendant la période sèche, les adultes quittent leur village en quête de pâturage et d'eau pour leurs troupeaux. Cette vie n'est pas bonne pour les enfants. Je ne veux pas que ma fille vive comme moi, souffre sous le soleil comme moi. La vie de berger est très dure. Je veux que ma fille ait une vie meilleure, qu'elle aille à l'école. Un rêve qui est en train de se réaliser, et c'est le repas gratuit financé conjointement par le gouvernement et le Programme alimentaire mondial qui a tout changé. Alko est désormais scolarisé et a d'autres options que le mariage précoce et le troupeau. Je vois chaque jour que ma mère et mon père ont une vie difficile. Le travail de berger est très dur. Ma mère va chercher de l'eau, du bois et garde les enfants. Mon père s'occupe des chèvres, des moutons et du bétail. Je ne veux pas de cette vie. Je veux finir mes études et avoir un bon emploi. Et grâce à ce repas gratuit, je peux y arriver. L'idée, c'est la scolarisation universelle à l'horizon 2015, un des objectifs du millénaire. Les résultats sont probants. Les populations pastorales ne restent pas longtemps au même endroit. Elles sont sans cesse en mouvement. Quand les deux parents s'en vont, les enfants restent souvent derrière, livrés à eux-mêmes. Les parents sont rassurés de savoir qu'ils vont à l'école, où on leur garantit un repas chaud par jour. C'est tout pour ce gros plan sur l'absentéisme à l'école. Rendez-vous la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.